Elle qui aime trop Adibou et tout. Je crois qu'on va pas faire son œil. Dans le déni de l'œil, du coup. Et ici, il faut qu'on fasse sa queue. Oh, pourtant, j'ai une rêve, mais c'est marrant, ça rend moins bien que sur le dessin. Ça, c'est pas très ratus. Merci, petit pollen. Pour le 7e mois, merci beaucoup. Et c'est ok. Oui, c'est vrai, on verra pas. Attendez. Hop. C'est plutôt une bouche. Plutôt que c'est plutôt une bouche plutôt qu'un œil. Oh non, je pense pas. En vrai, je pense vraiment que c'est l'œil. Non, c'est l'œil, c'est sûr que c'est l'œil. Ok, alors on va la passer. On va faire sa queue et on va la passer en transparent et on va recopier. Enfin, repasser. Alors pour la queue, il faudrait. Est-ce que j'ai une ref? Je crois pas, mais on peut s'en sortir sans, en vrai. Ouais. Je vais juste vous mettre ça. C'est une queue de crevette. Ça, c'est Lascoe qui a recopié mon dessin. Enfin, qui a recopié. Qui a fait un Drawvis in your style. En fait, il a pas du tout recopié. En gros, il a fait un Drawvis in your style avant même que je dessine. Et du coup, ça m'aide beaucoup. Alors, la queue. On va faire un... Bah, un peu quand même. Ouais, un peu, un peu. Le recopier. C'est pas très ratus. Qu'est-ce que j'avais mis en dessous? Elle était pas mal comme ça en vrai. Merci Ricardinho Enlé pour le 25e mois. Merci beaucoup. J'espère que t'as la forme. Comme ça? Et du coup, je vais repasser ici. Donc je vais juste supprimer la... Ça. Ça, je vais le passer en transparent. Je vais faire un nouveau calque et je vais recopier... Enfin, je vais repasser par-dessus. Attendez, je change un peu l'ambiance. Voilà. Hop. Oui, c'est The Witcher. Avec le bruit de pluie et tout, j'adore.
Même là, en fait, ça rend flou mon trait. Ça va très bien, merci. Enfin, je suis dans la dernière ligne droite de mon mémoire et bien sûr, je me complique la vie. Pourquoi tu te compliques la vie? Quand je dessine, il y a plein de fois où j'ai une idée en tête, mais je n'arrive pas à le retranscrire. Du coup, Osef, je contrôle le truc en faisant une pause moins compliquée, par exemple. C'est mon métier depuis 2016, donc franchement, faut pas avoir honte du déni. Merci, Nenu. Heureusement que vous êtes là, hein, quand même, parce que bon... Franchement, je pourrais jamais dessiner comme ça si vous n'étiez pas là. Hein. Je ferais des trucs pas ouf. Voilà. Mais non, faut pas dire ça. Mais en fait, c'est même pas genre... je me dévalorise pas, en fait. C'est la vérité. C'est même pas moi qui me dévalorise. C'est la vérité, en fait. Juste, ben, vous m'aidez, vous me donnez des rêves. Genre, si j'étais toute seule, je pourrais pas avoir tout ça. Tu voyez ce que je veux dire? Bonne nuit, Asrodel. Repose-toi bien. Vous voyez ce que je veux say, ouais. Salut Aven. Comment ça va? On progresse moins vite sans regard extérieur. Oui, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Mais du coup, c'est pour ça que je suis reconnaissante. Enfin, je dis pas ça pour me dévaloriser, quoi. Je dis vraiment ça en mode, c'est une vérité. Enfin, je serais moins bonne si vous étiez pas là, quoi, en dessin. Merci, l'utilisateur anonyme, pour le subgift à Ultio. Merci beaucoup. Ça avance bien? Oui, regarde, on a fait L. Elle est belle, hein? Et là, on fait L. Elle est en plein... Il y a un petit côté aérodynamique avec elle. Que je la mette comme ça, je pense. Non. Je veux la même vie que ces Obali. Au spa, chill. Là, j'imagine que aussi dans le quotidien des artistes, il doit y avoir un truc qui est super compliqué. C'est après se trouver un style. Genre moi, là, au final, j'ai pas de style, quoi. Je fais un style plutôt réaliste en fonction des rêves que j'ai trouvés sur le site de Pokémon. Mais quand je vois ce qu'elle fait, genre Aven, qui donne vraiment un côté cartoon et tout, waouh. Franchement, trouver son propre style comme ça, c'est vraiment stylé. C'est un mauvais jeu de mots. Le fait qu'on reconnaisse la patte graphique et tout, genre Lasco, oui, je reconnaîtrais ses dessins entre mille, quoi. Je crois que je vais dupliquer celle-là, elle m'a saoulée. Mince. Ça vient avec les années à force de s'inspirer des trucs que t'aimes. Bah oui, c'est sûr. Et toi, Aven, par exemple, c'est quoi ton parcours avec le dessin, tout ça? Ça t'embête pas de répondre, hein.
Pareil, genre Lascoïn, Nene, tous les artistes du chat, là, vous avez commencé comment à dessiner? Bisous OP, encore joyeux anniversaire. Agaren aussi, ouais, je reconnaîtrai ses dessins entre mille, pareil. Au départ, c'est ma mère qui m'a montré un dessin et puis c'est venu avec les mangas, tout ça. Oui. Je pense que je vais juste... Le trait qui est là. J'aimerais plus le faire comme ça. Voilà, ça me plaît plus comme ça. Ah, voilà, c'était juste ça qui me posait problème. C'était ce trait-là. Voilà. J'ai dû aller chercher sur le Discord, mais quelqu'un qui a un style vraiment unique, c'est le pseudo Tequila sur le Discord. Ah oui, sur Discord. C'est vraiment un style qui change, c'est incroyable. Je trouve que cette personne fait... J'envoie des fleurs à fond. Oui, oui, j'adore le style de Tequila. Je suis fan sur Discord, ouais, ouais. Trop, trop bien son style. Merci Inamona pour le 5e mois, merci beaucoup. J'ai fait 10 ans de cours d'art, petite. Waouh. Moi, j'ai commencé à dessiner pour fuir la masculinité toxique de ma famille. Bonjour, le party pooper vient d'arriver dans la place. Ça va, Aldéhyde? Regarde, j'en suis là. Juste, je pense qu'on va rapprocher la queue d'Obali comme ça, parce qu'elle est pas si grande, je pense. Voilà. Je pense même que je peux réduire la taille du bain. Du coup, je vais juste peaufiner les lignes du décor. Le dessin est vraiment adorable, j'aime beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir venant de toi. Voilà. On a fait toutes les lignes. On a tracé absolument toutes les lignes. Ce qui nous reste, c'est la colo. Et les ombrages. Depuis que je sais tenir un crayon, comme beaucoup, après j'ai recopié des BD quand j'étais petit. En fait, mon petit bout de chemin, une ou quatre années en école d'art que j'ai fini l'année dernière. Ça marche. Je pourrais en parler beaucoup plus longtemps, mais voilà, parcours classique. Ok, ok, ok. La colo, c'est pas le plus long pour toi? Si, si, c'est le plus long. C'est un croquis méga élaboré. Non, en vrai, là, ça y est, c'est les lignes définitives. J'ai transformé tout ce que je voulais transformer en lignes définitives, en vrai. Regardez, ça, c'était le croquis. Ça, c'était le croquis. Voilà. Mais non, là, en vrai, j'ai vraiment fait tout ce que je voulais, quoi. Ça y est, on a tout recopié, tout ça, c'est parfait. Qu'est-ce que je fais? Je fusionne tout? Par où je commence? Je me rappelle déjà plus.
On remplit avec des aplats de couleurs au début. Voilà ce qu'on fait. Envie de prendre un bain avec eux en fait. Go les aplats, ouais, on fait ça. Je fusionne pas tout du coup? Ou alors je mets tout de la même couleur, genre. Par contre, j'ai une question. Pourquoi ce bain-là, là, il est aussi terne alors que je l'ai même pas mis en transparent, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi les couleurs sont fades comme ça, comme si je le... Ah bah si, l'opacité, c'est bon. Tout va bien. Je comprenais pas. Je comprenais pas, mais c'est bon. En fait, l'opacité était vraiment baissée. Tout va bien. Ok. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais... mettre toutes les lignes de la même couleur. Qu'est-ce qu'on fait, du coup? On met genre... Oh, salut! Coucou Red et Légia, comment vas-tu? C'est très mignon. Merci, on vient de finir les lignes. Qu'est-ce que je fais? Pour le premier bain, tu vas faire des effets de vapeur d'eau comme si c'était un bain chaud. Oui, c'est ça. Je veux faire des effets de vapeur d'eau, mais ça sera à la fin, ça, non? D'abord, je fais les aplats de couleurs. Genre, d'abord... aplats de couleurs. Ensuite, genre tout ce qui est vapeur chaude, etc., etc. Et après, les ombres, non? C'est ça? Ah oui, oui, non, mais pardon, Panora. C'est, ça me met le doute parce que du coup, je suis pas sûre, je suis jamais vraiment trop sûre de moi. Tu t'en sors bien avec tes ellipses sur les bassines? Oui, bah ça y est, là j'ai vraiment tracé les lignes... C'est pas parfait, mais tu sais, je débute en dessin, donc voilà. Coucou, Bulldop. Ça y est, t'as fini les aventures d'Héloïse? Je viens de poster un sketch de Lorenza et Pablo. Ah, je vais voir. Non, mais les fanarts de Lorenza et Pablo, c'est ma cam. Attends, je l'ai pas. Je l'ai pas. Ah, ça y est. Oh, what? Non, mais attends. Mais attends, je suis bête. Je vais pas faire ça, je vais faire directement sur mon iPad. Hop. Salut, Magic Rocket. Salut, Chacol. Vous étiez où? Bon, vous arrivez tous d'un coup. Oui, je suis crevée. Repose-toi, hein, Bulldop, hein. Regardez comme c'est magnifique! T'as mis cette musique là? Mais seras-tu de taille? Il est incroyable! Mais quel talent! En plus, ils sont mariés et tout là, ça y est, il y a la bague au doigt et tout! Incroyable, bravo, c'est magnifique. Je veux pas de boulot dans ma life. Il est vraiment trop beau par contre ce dessin. Trop 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 beau. Incroyable. Mais il y en a eu un autre que j'avais kiffé là. C'était celui-là là. De Flora Mori. Vraiment, le style est trop trop cool. Je l'adore. Trop beau. J'y crois, hein, à Lorenza heureuse avec Pablo, hein, j'y crois. Bon, du coup, je fais quoi, là? Je fusionne toutes mes lignes. Enfin, genre, je les mets toutes de la même couleur. Si oui, de quelle couleur? Genre un marron clair, c'est ça? C'est ça qu'on faisait avant, non?
Là, c'est une espèce de marron pour Jeremy. J'y crois, dit-elle après s'être barrée. En vrai, j'aimerais bien revenir, mais ça me semble pas adapté, tu vois. Là aussi, c'est un marron. On fait ça, on fait un marron. Vous les faites comment, vous, les lignes, vous, les illustrateurs pros, là? Je suis en train de regarder le RP de Pablo. En même temps, il y a du drama. Ah ouais, c'est vrai, il se passe quoi? Non, mais ça n'a rien à faire là, en fait. Moi, je fais en marron aussi. Après, tu peux changer de couleur de ligne selon l'élément. Je me rappelle même plus. Moi, je crois qu'on les avait toutes laissées marron. Ah non! On a fait du vert, là, pour les plantes. Pour les champis, on avait laissé marron. On avait juste fait du vert pour les plantes. Bon, écoutez, je vais faire un marron. Gros remaniement et remise en question du groupe de la Mano. Vous êtes plusieurs à suivre ce live, plus le live RP à côté, vous me tuez. Le line de mon dessin Onsen au Bali est bleu. Ah oui, attends, faut que je le regarde. Je fais pas de bolos dans ma life. Oh, Luciole, elle a fini son montage Photoshop, regardez. Animal Crossing! Pourquoi Coco, elle est dans un nuage noir? Il y a un problème. Mais non, mais du coup, Elisa a mis son dessin sur le Discord. On avait un doute de savoir si Pablo allait rejoindre Lorenza. C'est-à-dire Audrey, je comprends pas. C'est un moque d'un régilhomme qui hurle « Terra !» Oui, il devrait sortir d'un arbre. Tu devrais mettre une petite, un petit régilhomme là, sur le pain en haut à gauche, tu sais. Avec marqué « Terra !» Et il y a Elisa, du coup, qui a partagé son fanart en même temps. Je l'adore. Elisa qui avait peur de le poster parce qu'elle trouvait que le niveau des autres était trop important. Enfin, genre, était trop important alors que regardez-moi ça. Magnifique. Doué de ouf, en fait. Pipou, 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 pipou. Juste un instant, en fait, j'essaye de retrouver... Ah oui, attendez. Le dessin de Aldéhyde. Trop cool les fanarts, oui. D'ailleurs, sur le Discord, dans le chien atelier, il y a Neneu qui a fait tout un tutoriel sur les mains. Et c'est vraiment, vraiment super cool. Je suis trop Pablo depuis la soirée RP. Ah, et tu suivais pas trop de RP avant, Audrey, du coup? On savait pas si Pablo allait rester dans la mano, mais il reste de toute façon. C'était plus dans le chat que ça parlait de ça. Ah, putain! Mais genre, mais pourquoi il remettrait en cause, en question, le fait qu'il reste dans la mano? Ou genre, c'est lui tout seul qui se remet en cause, c'est ça? Il va partir, il va rejoindre Lorenza. Alors, attendez, parce que j'essaye de remonter les dessins que vous avez faits. Voilà, c'était ça le dessin d'Aldéhyde dont il parlait tout à l'heure. Ah oui, elles sont en bleu foncé. Et franchement, on pourrait faire ça. Hein. Ah, t'es modo chez Pablo, Divac? Je pensais que t'étais modo chez... Oh là là, c'est insupportable d'avoir des trous de mémoire comme ça. Chez Monody. Je pensais que t'étais modo chez Monody. Non, c'est toute la mano qui se remet en question après que Mike soit parti, etc. Donc je pense qu'ils en profitent pour faire renouveler l'histoire. Ok, c'est bien en vrai. Je sais pas du tout qui est Mike, mais... J'adore ton dessin, Aldéhyde, il est sublime. Il est vraiment sublime. Bleu foncé, je pense que ça peut être bien. Pourquoi l'Obali a une orange sur la tête? C'est un yuzu? C'est
C'est assez connu que... C'est assez populaire, les yuzu. D'ailleurs, on pourrait presque lui faire plus grosse en vrai. Dans les bains, je sais pas trop les bienfaits, mais voilà, c'est assez populaire et connu. Si ça se trouve, c'est juste pour les faire cuire. Voilà. Elle est mieux comme ça, on la voit mieux. Étoile, le boss s'est réveillé tôt pour remplacer Ulti à la dernière minute pour son retard à 301 vues. T'as vu? Quel crack. Hop. Il y aura un Obali Shiny. Oui, ça sera celui-ci. Donc on fait du bleu foncé, ok? Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que... Mais je vais vraiment devoir passer chaque truc en masque d'écrit... Non, en verrouillage alpha. Ça va être long. Hop. Verrouillage alpha. C'est quoi verrouillage alpha? En gros, ça met en PNG tout ce que tu traces. En gros. Mais ça, d'ailleurs, je peux fusionner en vrai. Et du coup, comme ça, si je veux repasser dans une autre couleur, ben, je peux. Non, non, non. C'est insupportable. Genre si je veux que toutes mes lignes soient roses, ben je peux faire avec le verrouillage alpha quoi en gros. Genre là je vais choisir un bleu foncé. Bonne nuit Erwen. Et du coup je mets tout en verrouillage alpha. Et là, logiquement... Ah ouais, non, je crois que je vais devoir le faire pièce par pièce. Non? Si, si, voilà, regardez. Ça fonctionne. Avec le cadre. Si vous avez une technique plus rapide, dites-moi. Aucun rapport avec AlphaCast, non. Ça vous semble bien, ce bleu, pour les lignes? Éteindre l'iPad. Non mais il faudrait que je fusionne toutes les lignes en fait, mais bon, dans le doute. Fusion. Hop. Bonne nuit, Clémopomme. Regarde, tu vois, Régie? Technique plus rapide, faire un calque par-dessus, le remplir de la couleur, faire masque d'écrutage et fusionner les calques. Ah, c'est une super idée, ça, en vrai. Bon, vas-y, je fais comme ça, là, pour cette fois. Ça me semble pas mal, ce bleu.
Putain, je veux trop suivre les dramas de Pablo à la mano maintenant. Dans le dessin timbre que tu as en référence, j'ai plus le nom de l'artiste, c'est Aldéhyde. Tu verras que l'artiste a changé les couleurs des lignes en fonction de la lumière. Alors, oui, j'ai vu, mais c'est pas... J'ai vu parce qu'il y a des lignes avec du vert, du rose, etc. Mais c'est pas aussi le fait de mettre la lumière par-dessus qui change la couleur ? Automatiquement, genre. C'est pas très ratus. Merci Aria Gribouille. 13 mois que je t'offre mon prime. Je m'excuse de passer que très peu sur les streams. J'essaye de poser ma langue de temps en temps quand je peux. Plein de gros bisous à tous les ratus. Merci beaucoup Aria. Ça me fait plaisir de te voir dans le chat. Merci mille fois. Ça, c'est pas très ratus. Merci Los Cocos TV pour le prime. Merci beaucoup. Hop. Voilà. Ça claque en vrai, hein? J'ai un effet de bokeh artificiel rose à certains endroits qui modifie la couleur des lines. J'ai aussi fait une légère aberration chromatique pour ajouter du relief. C'est ça qui provoque les changements de couleur. C'est trop sympa! Après, j'ai pas envie de voir trop loin non plus avec ce que je fais, hein. Tiens, celle-là, je vais la fusionner. Voilà. Je parle en grand profane, les lignes bleues comme ça ne vont pas rendre le dessin un peu froid. Ben, Aldéhyde, il a utilisé des lignes bleues comme ça. Et c'est pas froid? Non, je pense pas en fait, Régie. Hein. En vrai, non, je pense pas. Les aplats vont changer beaucoup de choses. Bah, en vrai, les lignes... quand tu vois, genre... ça et... ça, c'est vrai qu'il n'y a rien à voir, quoi. Salut Laurine. Merde. Oui, aujourd'hui, on fait la colo. Enfin, aujourd'hui. Ça fait un moment qu'on fait les lignes, là, déjà, donc... Merde. Oui, j'ai fait ça, là. Ça tombe bien que je le fasse, comme ça, je l'efface. Hop. Comment ça va, Laurine? Il me reste juste lui, mais je sais pas. Ah, il est là. Et voilà! Ça nous fait les lignes à part du reste, quoi.
Pour plus avoir de problèmes d'aplats de couleurs, il faut retourner à l'époque où tout était en noir et blanc. T'aurais pu dire, c'est bon, j'ai fait toutes les couleurs, personne n'y verrait rien. Vas-y, je vais dupliquer celui-là. Comme ça, je garde les lignes. Hop, voilà. Je trouve que celle-là, elle manque de charme. J'espère que la colo, ça va changer les choses. Hein. Alors. Ça rend bien. Merci, vous êtes gentils. Merci beaucoup. Pourquoi au Bali? Parce que j'ai fait un rêve il y a des mois où j'ai rêvé que je dessinais des Obali dans un spa japonais. Voilà. Et du coup, je me suis dit, vas-y, prochain live dessin, je le fais. Tiens, d'ailleurs... Moi aussi, je veux l'effet timbre. Je peux te copier, Aldéhyde? Moi aussi, je veux l'effet timbre. Comme toi, t'as fait. Merci, Nalari, c'est gentil. Avec plaisir. Merci. J'ai fait un cadre autour de mon cadre et j'ai fait plein de petits U pour découper le cadre. D'accord. Donc je vais dupliquer ça. Je vais le mettre juste genre en quinconce quoi, en gros. Comme ça. Comment être sûr qu'il est bien centré? Comme ça, ça me semble bien. Et ensuite, t'as fait plein de petits U dedans. Dans aimant en bas à gauche. Et là, je mets quoi? Magnétisme? Ah. Aimant. Ah bah oui, comme ça c'est bien. Ok, une fois que j'ai fait ça, du coup... on fait plein de U. Et les U, du coup, on les fait... Merci, Dracarys, c'est gentil. Élargis un peu le cadre. Ah ouais, tu penses? Comme ça? C'est pas du tout pareil, là. C'est pas pareil. Ça marche, le lapis. Bonne nuit. Alors, faut que je fasse un truc avec les aimants. Je suis pas sûre de moi. Hein. Mets-toi en freeform, ça sera plus facile.
Ça change rien en vrai. Comme ça, c'est pas mal, non? Bonne nuit, Ratucine. Pour les bains, du coup, je vais juste faire... Je vais faire genre ça. Pour fermer la forme. Et comme ça, je peux faire ça. Et je fais pareil pour le deuxième. Merde. Merde. À poil! Merci Régie! Régie qui offre un sub gift à Ratucine, merci beaucoup. Voilà. Bon, je reviens, j'ai à nouveau envie de pipi, je suis désolée. Je fais vite. Ah, pas tout de suite. Alors, oui, ok, tout va bien. Donc, on en était où? Bon, ben voilà, en vrai. On est pas mal. Et donc, les U, qu'est-ce que je mets? Je mets genre la grille pour m'aider à faire les U comme le timbre de Aldéhyde. Non, c'est pas l'assistant dessin, c'est quoi déjà? Assistant, guide. Ouais, je peux faire ça. Hop. Si je mets la grille. Et que je fais genre... Bon, je suis sur quelle ligne là? Ok, c'est bon.
Ouais, je fais ça, non? Je sais pas s'il y a des options de symétrie, genre ça. Je veux faire ça, en fait. Oh, c'est presque le même bleu, c'est marrant. Je veux carrément faire ça, en fait. Du coup, genre là... Je vais peut-être faire plusieurs à la fois, peut-être. Le dessin terminé sera-t-il posté sur Twitter? Oui, je vais le poster sur Twitter, Magic Rocket, mais je vais pas le terminer ce soir. Réduis la taille des carreaux, peut-être. Je sais même plus comment on fait. Guide de dessin, info. Je sais même plus. C'était quoi déjà? Je sais même plus. Merci à Eonax, c'est gentil. Ah, modifier le guide de dessin, voilà. Comme ça. Si je fais ça, et que je fais genre ça. Et qu'après, je fais ça. C'est pas très ratus. Ça va être long. En gros, c'est ça. Hein. Merci, Sushi, pour le 10e mois. Bonsoir! Regarde, tu as de la symétrie. Tu peux faire un quart de tes demi-cercles qui se reproduisent tout seul. Ah, trop bien! Attends. Symétrie. Ouais, mais du coup, si je fais symétrique, ça m'enlève la grille. Ah ouais, c'est pas mal en vrai. Après, je peux aussi dupliquer et genre retourner horizontalement parlant, enfin, tu vois. Quadratique. Oh. Ok. Tu peux aussi te faire un pinceau qui fait des ponts. Ajoute une grille en PNG. Waouh. Du coup, j'ai la méga flemme de faire ça, du coup. Beaucoup de boulot pour un effet timbre. Ouais, c'est ça, tu vois. Je pense que je ferai un U suivi de son trait à droite. Tu sélectionnes cet ensemble et copier-coller, plus déplacer autant de fois que nécessaire. Je pense que je ferai un U suivi de son trait à droite. Mais oui, ça fait beaucoup de travail pour juste un effet timbre, quoi. Genre, si je fais ça, je l'ai même pas mis sur un nouveau calque en plus, comme je suis une quiche. Juste un cadre simple, c'est pas mal aussi. Allez, vas-y, juste un cadre simple, c'est pas mal. On a beaucoup de boulot, on verra si on a la foi de faire l'effet timbre plus tard. Ok, du coup, maintenant, je fais les aplats, ok? Donc, faut juste que je range. C'est pas gagné. Voilà. Je vais ranger toutes mes lignes ensemble. Donc ça, c'est mon cadre. Et genre, je crois que je vais ranger tous mes persos ensemble et toutes les lignes de décor ensemble. Je crois que c'était ce que Aldéine m'avait demandé de faire. Oh non, vous nous l'avez découragé. Ben, en vrai, c'est vrai quand même que c'est beaucoup de boulot pour pas grand-chose. On le fera à la fin, au pire, tu vois.
Vous me conseillez de faire ça, du coup? C'est sur Procreate que c'est un peu galère. D'accord. Ok, ok. Genre, je mets les lignes d'un côté et le reste de l'autre? Et les personnages de l'autre? Cadre. Et je fais un... T'auras plus de force dans la prochaine session pour les timbres. Ça va très vite. Mais la tablette, ça te permet pas d'aller très vite sur des trucs comme ça. Je vois, oui. D'accord. Donc ça, c'est le décor. Ça, c'est le décor. Donc on va les mettre ensemble. Hop. Ça, c'est le décor. Ça, je sais pas ce que c'est. Parfois, je fais des groupes, je sais pas pourquoi. Ça, c'est le décor aussi. Attends, ça, c'est quoi ce calque? Il n'y a rien, on dirait. Vous lui avez déjà dit qu'on peut fusionner des calques en pinçant les calques à fusionner? Oui. Je sais. Hop. Voilà, j'ai dissocié les personnages. Ah non, il y a un arbre là-dedans qui fait tâche. Je sais pas. Il me semblait que j'avais fait ça pour les anciens dessins. Mais attends, il est où l'arbre là? Il est où ce con? Ah, il est là. Voilà, c'est bon. Si tu sais que tu dessines des élus de timbres et que tu les imprimes en miniature, bah si c'est bien fait, tu peux les utiliser pour envoyer tes lettres à la poste et personne n'y voit que du feu. C'est vrai? Tu fais vraiment ça, Aven? Genre la poste, elle capte rien? Quoi? Ok, maintenant je fais les aplats, hein, du coup. Juste, j'ai pas du tout fait de palette de couleurs. Même les étiquettes de bananes, arrêtez. Quoi? Je le fais pas, mais on l'avait fait à l'école et ça avait marché. Ah, mais c'est trop drôle. Comment ça? Elle est actuellement en train d'envisager de faire ça la fois prochaine, si vous n'avez pas compris. Mais non. Bon, allez, vas-y, palette de couleurs, là. Faut que je trouve des couleurs sympas. Pourquoi j'ai une lettre avec un timbre au Bali? Il y a quoi dans mes refs? Ça, c'est sympa. Il va falloir du bleu, du marron, du orange. Ça, j'aime bien. Elle est où la recette avec les boulettes? Dans le Pinterest, recette salée. Pourquoi pas commencer avec les obalis? Les couleurs sont déjà préparées. Ben, oui et non, tu vois, parce que je suis pas obligée de prendre le même bleu, quoi. Après, peut-être que... Hop. Ok. Peut-être que je peux les récup.
Tu vois, elles ont pas forcément la même couleur. Parfois, elles sont plus ou moins bleues et tout. Normalement, c'est pas possible pour avoir bossé en imprimerie. Les timbres sont faits dans une encre spéciale et horriblement chère qui réagit à des flashs lumineux. Donc normalement, on peut pas trop frauder avec ça. Bah, comme quoi, ils vérifient pas du coup. Hein. Ou genre, par exemple, si je veux prendre... Si je veux enregistrer ça. Ok. Je suis déjà à 53%. Genre là, je prends plusieurs refs. Tu vois, genre là, par exemple, cette Obali-là, elle n'est pas du tout réaliste en termes de couleur, mais... stylée quand même. Pareil, là, elle est vachement turquoise par rapport à ce qu'elle est vraiment, je pense. Là, elle est plus pastel et tout. Bonne nuit à l'ananis. Bon, je vais quand même enregistrer ça. Attendez, 2 secondes, dans le doute. Télécharger l'image. Et je vais aller sur mon profil. La recette salée. Non, pas recette salée. Ça y est, je parle de bouffe, moi. Et voilà, je veux ça. Bim, télécharger l'image. En petit, tu te prends moins la tête sur les détails. Nous, pour les couleurs, en animation, on travaille en tout petit d'abord pour avoir une idée générale de l'image. On pince super à l'arrache et ensuite on se sert de la petite version pour colorier en grand et en propre. Ah ouais, mais comment ça en tout petit? C'est intéressant en vrai. Ouais. Merci Cavalcade, le dessin c'est vraiment apaisant même à regarder. J'économise depuis quelques mois pour pouvoir digitaliser un peu cette passion que je dois sûrement partager avec beaucoup d'entre vous, j'ai hâte. Tes lives et le dessin m'ont beaucoup aidé à traverser une grosse dépression, alors merci. Merci à toi Cavalcade. Plein de courage. Et merci pour ton petit message. Voilà, je crois que là c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait. Du coup... bim. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je suis en train de faire n'importe quoi. Ah mais c'est bon, je les avais déjà... J'en avais déjà téléchargé pas mal en fait. Bim. Ok. Du coup, tiens, je vais mettre un peu... On va rester dans le thème, je vais mettre un peu de bleu derrière moi. Hop. Une fois ton dessin fini, serait trop beau en version physique, genre une belle impression, un print. Ouais, pourquoi pas. Et donc là, par exemple, si je veux récupérer des couleurs avec Procreate, j'ai juste à faire genre référence, non? Bonjour. Image. Genre, est-ce que là, je peux prendre les couleurs? Ah non, on dirait que je peux pas. Pardon, Red et Legia. T'as été banni parce qu'on peut pas mettre de lien. Enfin, t'as été banni. Ton message a été supprimé. Mais c'est pas grave, en vrai. C'est pas grave, Fanou. T'inquiète, je récupère. Je peux récupérer quand même. Ça se fait. On met des liens dans le chat comme ça et ensuite, je les récup. Alors du coup, Red et Legia me montre ça. Ah, tu colories vraiment en tout petit comme ça pour avoir une idée globale, quoi. C'est déjà cool, en vrai. C'est trop stylé. C'est Nightbot qui est méchant, c'est ça, exactement. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ok. Bon, là, par contre, j'ai l'impression que je peux pas les récup, les couleurs. Je pensais que je pouvais récup quelques couleurs. Après, je sais pas si ça se fait, peut-être que ça se fait pas. Normalement, si tu mets ta rêve dans le petit onglet référence, tu peux piquer la couleur comme une pipette. Bah, pourtant, elle est là, la rêve, tu vois.
référence. Je sais pas, Vatsu, ça marche pas. Bon, je vais essayer de faire ma palette toute seule, du coup. Tu peux drag and drop la photo dans tes palettes. Ah, mais oui, c'est vrai qu'on peut faire ça! Palette. Créer une nouvelle palette. Attends. Oui, c'est vrai. Voilà, alors, je veux une palette avec ça. Je veux une palette avec ça. Et je veux une palette avec... Voilà, j'ai des palettes avec tout. C'est bon. Donc du coup, je vais faire juste mes petits trucs à côté, là. C'est bon. Laisse-moi tranquille. Alors, genre par exemple, l'eau des obalis. Un milliard de couleurs. Le yuzu. Le yuzu sera comme ça. Une espèce de crème. Mince. Oh là, j'ai eu peur, pardon. Merci Ketsumi pour les 1 an, merci beaucoup. Merci Ketsumi. Gros stuff pour Ketsumi, merci beaucoup. Ça, c'est vraiment le bleu au Bali, quoi. Comme ça aussi, c'est pas mal. Genre se dégrader de 3 bleus, là. Ou alors plus classique, genre comme ça. J'ai jamais eu la rêve de cette alerte. Alors déjà, je suis censée les réparer depuis 6 ans. Mais c'est sans compter le fait que je trouve pas le temps pour le faire. Alors qu'il me reste vraiment 3 trucs littéralement à faire. Hein, mais bon, bref. Disons que cette semaine, ça sera pas possible non plus, en plus. Non, en gris, comme ça va être trop triste, je pense. En fait, c'est quand on jouait aux Sims à Batuu, donc les Sims Star Wars. En gros, il y a un petit DJ qui met la musique à balle et tout, et c'est super drôle. Donc, voilà. Je sais pas trop. Je pense que les couleurs grises, elles vont rendre triste le dessin, parce que c'est pas des obalis qui sont sur la glace, quoi. Des obalis qui sont dans un spa. Au pire, stream, repérage d'alerte. Mais j'ai tout, en fait. C'est juste que, en gros, j'ai sous-traité ça auprès de quelqu'un qui est censé me faire les trucs d'OBS et tout. Et c'est juste que là, il nous reste un truc à finaliser. Vraiment, un seul truc à finaliser. Et j'ai pas le temps. Et voilà. Mais vraiment, j'ai tout ce qu'il me faut. Hein. Tout est prêt. Hein. Tout est prêt. Il me reste juste un truc pourri à faire. Mais c'est juste que, ben, j'ai pas le temps. Je pense que là, ce parquet comme ça, ça peut être pas mal. Un gris pour les obalis. Par contraste avec le bois qui sera une couleur plus chaude du dessin, ça les rendrait plus élégantes. Ouais. Oui. On va tester. Je fais les aplats de couleurs
à part. Non, non, mais t'inquiète, Gentilo Safe, on est là pour ça. On est là pour ça. Genre là, si je mets référence, je crois que je peux, genre, en retournant ici. Dis-moi, on est là pourquoi ? C'est pas une musique genre de soprano, ça ? Ah, ça marche bien. Si je mets en référence, genre ça marche pas. Ou au pire, je l'ai fait à la main. Ah, mais oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, je vais devoir les refaire. En fait, je vais devoir les refaire, les bains. Parce que du coup, ils sont tous fusionnés. Mais il y a juste... Ouais, genre le bain en entier, c'est ça, quoi. Genre, tu mets cette couleur à la place de l'eau, on pourrait dire un café au lait. Elle se baigne dans un bain de boue. Mais en fait, je vais devoir les refaire, les bains, là. Pourquoi tu colories pas en dessous des lignes ? Oui, oui, pardon. Excuse-moi, je... Oui, voilà. Merci. Juste, je sais pas trop... On va mettre... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais faire ça, voilà. Un bain de boue. Ça, c'est assez chaud comme couleur. N'oublie pas d'emporter une serviette. Non, mais en fait, je vais devoir intercaler tout, je crois. Genre les couleurs et tout. Et si je mets la serviette là? Comment on faisait déjà pour juste colorier là la serviette, par exemple? Si je veux juste mettre la serviette, genre en... Je sais pas, tu vois, en orange clair, par exemple. Et que je veux pas que ça dépasse ailleurs. Je fais ça et je mets ça en référence. Non, c'était pas ça qu'on faisait. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on faisait déjà? Je me rappelle plus. Vous vous souvenez pas? Salut la première en partant du bas. Non. Bah déjà, le drag and drop, ça va être compliqué avec ce brush, je pense. Ça va être dur. Ben non, je me rappelle plus comment on faisait. Masque d'écrutage. C'est peut-être ça, ouais. Ah, mais du coup, ça... Mais du coup, non, en masque d'écrutage, ça disparaît. Faut se mettre au-dessus de ton casque de couleur, ton calque de couleur et faire calque d'écrutage. Ah voilà, c'est ça. Non, ça c'est juste pour les lignes. Pour la serviette, là t'es obligé de colorier à la main. Après tu pourras faire les ombres sans que ça dépasse avec des masques, tout ça, ça sera après. Je me rappelle plus comment on faisait. Tu fais les contours de ta forme. Mais ils sont faits, les contours, là. Non ? Après, je sais même pas comment, à quelle couleur la mettre, j'avoue. Je sais plus comment on faisait. Comment on avait fait, déjà ? La serviette n'est pas à contour fermé. Oui, oui, c'est pour ça. Comment j'avais fait ?
Ok. Peut-être qu'il faut que je me décide sur les couleurs aussi. Genre si je mets tout le parquet comme ça. Par exemple, pour la couleur du parquet. J'ajoute un nouveau calque. C'est un calque que je mets genre... en dessous les lignes de mon parquet. Bonne nuit, Aven. Des bisous. Pas si j'ai envie de ça en vrai. Et genre là par exemple. Ouais, je vais devoir vraiment faire à la main, je crois. Je crois que je vais vraiment devoir le faire à la main. Ou alors. Mais pourquoi ça marche plus? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Je pense que je commencerai par remplir les couleurs les plus en arrière-plan, le parquet, le fond, en remplissant tout, pas besoin de détourer les bains. Puis tu fais des calques par-dessus pour les éléments plus en avant. Oui, t'as raison. Mais je sais pas trop quelle couleur donner en fait. Putain, mais ça c'est insupportable. Ok. J'aime bien les couleurs qu'a choisi Aldéhyde en vrai. Presque fini mon dessin, c'est un plaisir de suivre le live et c'est super motivant. Trop bien, Ferienne. Trop cool que tu sois inspirée. Sinon, tu dupliques le calque que tu veux colorier, tu drag and drop la couleur sur celui du dessous et voilà. Je suis pas sûre d'avoir compris ça pour le coup. Peut-être que comme ça peut le faire. Je sais pas. Je suis pas sûre. Comme ça, c'est plus sympa, je pense. Quoique. Ou alors une couleur un peu plus chaude comme celle-ci. En coloriant les obaliers en premier, tu trouveras peut-être plus facilement des couleurs harmonieuses pour le décor. Test, te prends pas trop la tête, tu apprends. Bah au pire, on changera de couleur, quoi, c'est ça? Ok. Vas-y, ça fait une couleur un peu chaude, j'aime bien, c'est sympa. Du coup, je peux me permettre de faire des énormes aplats de couleurs, juste je mets le calque tout en bas, quoi. Genre, je peux très bien... Duplique le calque de la serviette, drag and drop ta couleur de fond sur le calque que t'as copié. Et voilà, ça devrait le faire. Attends, je suis vraiment désolée, je vois pas trop de quoi tu veux parler. Genre là, je peux colorier de manière super grossière. Que ça ira, non? Commence par faire les gros éléments, ok. Parce qu'après, je passerai par-dessus. Le sol, les bains. Vas-y, vas-y, on fait ça. Merci. Parce qu'après, mais là, par exemple, je comprends même pas pourquoi je suis. Voilà, ça serait mieux comme ça. Ok. Vas-y, je fais comme Red Elijah m'a dit, je fais des gros aplats de couleurs. On verra ce que ça donne. D'ailleurs, peut-être que pour le parquet, il faudra qu'on fasse des planches. Hein. Tu fais une copie de tes contours sur un nouveau calque et tu pourras drag and drop ta couleur plus facilement. Ok, je savais pas du tout ça. Et genre les bains, je les fais en plus foncé.
Ok. Bonne nuit, mie d'abeille. Au pire, on ajustera après, non? Je sais pas. Tu peux dépasser sous les bains vu que tu vas les recouvrir après. Oui. Hop. Il y a encore des points roses que j'ai laissés dans les lignes. Vraiment, la colo, c'est vraiment ce qui me pose problème à chaque fois. Puis les ombres, n'en parlons pas. C'est comme ça que j'abandonne des dessins. Le give up est total. Salut Wenny Jenks, je suis au Canada, je peux pas regarder correctement le live, mais j'envoie plein de love. Ah, trop cool! Trop bien d'être au Canada. Tu vois, ça fait vraiment ton sur ton quand même. Je trouve. Oh non! Je suis passée sur le même calque sans faire exprès. Vas-y, je vais devoir tout enlever. Ah non, attends, c'est bon en fait. Juste. Si, c'était ça en fait. Ouais. Dommage. Je fais tout avec des couleurs genre basiques. C'est une bonne technique, ça, tu crois? Et après, je peux changer? Parce que j'ai quand même envie. Enfin, tu sais, genre. Pour l'instant, je me projette pas trop dans les couleurs, j'avoue. Et ensuite, tu mets des filtres par-dessus. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Non, mais je veux trouver un parquet plus beige, sinon avec quelques flaques d'eau au sol, ça cassera encore plus le ton sur ton. Ça peut être bien. Déjà, je vais faire les bains. De toute façon, je pense qu'il faut que je colorie un peu pour me rendre compte aussi, quoi. Salut Styx! Oui, je vais faire une Obali Shiny. Je vais complètement en faire une. Je suis par-dessus les lignes encore. Parce que c'est les lignes du cadre. Sans le cadre, il faut qu'il soit au-dessus de tout, en fait. Voilà. Tu pourras changer comme tu veux après, ça sera facile vu que tu auras déjà fait tous les aplats. Bon. Ça va alors. Si vous me dites que ça sera facile. Salut Améthyste. Dans les comics, les BD. I guess, ils font genre que des aplats. Ah ouais, et après ils mettent des filtres. Et du coup, ça, si je fais genre verrouillage alpha et que je prends et c'est pas mal ça, non? Au moins, il y a davantage de contraste. Oh, je sens que ça va être interminable, la colo. Oh là là. Salut, sort artiste. Je ne m'aide pas du tout, je pense. Un bois clair, oui.
Je regarde, hein, je regarde ce que j'ai. Ou alors genre ça. Et si tu commençais par les portes ou par un autre élément? Non mais ça va, je bloque pas tout à fait, c'est juste que je sens que ça va être galère quoi. Ça je préfère. Je peux peut-être régler ça différemment. Comme ça sinon. Merci Télouche, bienvenue. Je pense que c'est mieux que tu poses d'abord les couleurs de base de chaque élément, ça sera mieux pour toi de visualiser quelle couleur irait le mieux. Ok, bon bah on continue comme ça du coup. Que le bain de devant soit plus foncé ou plus clair car c'est deux plans différents. On va le mettre un peu plus foncé du coup. Et au pire, on jouera avec l'ombre et la lumière. Elles sont cool les musiques. Faut que je guette parce qu'après je me fais démonétiser mes vidéos si on passe sur quelque chose qui est pas libre de droit. Pour l'instant c'est bon. On est bien sur du jeu vidéo. Musique de Skyrim et The Witcher mélangée. Bonne nuit tarte au citron. Merci beaucoup d'être passé. Il y a encore du vert et tout là sur le. Il faudrait que je refasse les lignes correctement. Mais d'ailleurs, les lignes, on les laissera sûrement pas bleues pour les bains. On les mettra juste genre marron, une teinte plus foncée. On fera ça. Généralement, on met une couleur de base pour chaque élément. On ajoute les nuances plus foncées ou plus claires. Je sais pas si t'en as sur ce logiciel, mais les modes de fusion aident bien pour faire lumière et ombre. Oui, oui, y a moyen de faire des filtres et tout. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis en plus clair, là? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore fait une bêtise. Non, l'opacité au max. Mais quoi? Pourquoi? Attends, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, je suis en normal pourtant. Les contours bleus, ça rajoute un charme, je trouve. Il y a plein d'artistes qui font ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi d'un coup, d'un seul, là, je suis passée en opacité basse alors que j'étais très bien et que je comprends pas. C'est le cas que du dessous. Tu penses? Ah mais oui, j'ai baissé l'opacité de mon pinceau sans faire exprès. Vous avez raison, bien vu. Je suis désolée, j'ai même pas fait gaffe. Pardon. Je cherchais dans l'opacité de mes calques, j'étais en mode mais pourtant je comprends pas. Parfois, je me dis que mes dessins, ils sont sympas aussi sans la couleur.
Et là, là, qu'est-ce que j'ai fait? Vous m'expliquez? Ok. Genre là, pourquoi il y a un truc blanc ici et pourquoi j'arrive pas à passer dessus? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Tu peux faire un concept, à vous de le colorier. Voilà, je vous donne juste les lignes, à vous de le colorier, merci beaucoup. En vrai, l'idée est grave cool. Non, mais vas-y, non, faut que je m'entraîne. Je me laisserai pas avoir comme ça. Non, non. Hors de question. Soit on met les planches méga foncées comme ça, soit on fait quelque chose de super clair. Soit on fait genre ça. Non, mais je pensais que les lignes, elles restaient au-dessus, là. Voilà. Ça, c'est un DIY draw it yourself. Ça va, Arthéras, d'ailleurs?